Ok, je vais pouvoir double-cliquer à droite du nom et remettre le curseur en place parce que ça ne me sert plus à rien que d'écréter puisque les pixels blancs ont été effacés suite à la fusion avec le calque que j'ai créé au-dessus. Donc, plus de vignettes, plus d'icônes d'écrétage sur la vignette du calque. J'ai double-cliqué à droite, j'ai remis en place le curseur ici. Tous les pixels du calque vont apparaître. Alors là, on va créer un calque vide par-dessus sur lequel on va mettre un dégradé. Vous créez un calque vide et vous allez, avec l'outil dégradé, vous allez tracer un dégradé. Alors, le dégradé, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme dégradé. En tout cas, voilà, vous avez un dégradé sur le calque. Et pour que ce dégradé ne soit visible qu'à l'endroit du logo, ben on va faire de l'écrétage avec la touche Alt. On a déjà fait ça, je pense. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Touche Alt et on clique entre les deux vignettes et le dégradé n'est visible qu'à l'endroit du logo en dessous. Et on peut même encore le bouger avec l'outil de déplacement. Je vais décocher sélection automatique du calque parce que là, ça va plus m'ennuyer qu'autre chose, peut-être. Ça va, ça marche? Pas de problème?